dirait que nous sommes les seuls à en être sortis. Un héros de la fin des temps. Effectivement, ça ressemblait plutôt à un héros. C'était pas on ferait mieux de partir d'ici. Venez là. Laissez-moi voir si je peux défaire ces liens. Tu les liens, par contre. Nous y voilà. Regardez autour de vous. L'équipement ne manque pas ici. Je vais essayer de trouver... L'équipement... Hop. Non, si. Quelque chose pour ces produits. Non, c'est vrai que... Juste un peu de... touche. Hop, on prend tout. Un coffre, un briquet vide, je vous feriez mieux de vous équiper. Alors, là on a tout parfait et peut refaire les clés. Vous feriez... Hop, on va s'équiper. Alors, oui, c'est R. Alors, fuck. On a fait ça tout à l'heure. De mettre cette armure. Comment ? Faites aussi quelques moulinets avec cette épée. Ne restons pas là. Cette chose est encore là. Alors, ce que j'avais vu, c'est le combat est basique. Je sais pas si on aura des compétences après ou pas pour le combat. Alors. Je sais pas, ça peut nous servir. Bon, écoute. Non, let's go. Alors. On va aller par là. Là, le but, c'est sortir du donjon. Enfin, gaffe, parce qu'il va y avoir un peu d'ennemis. Est-ce que c'est là qu'on utilise notre clé? Non, mais c'est la chaîne. On va récupérer une clé dans les coffres. Pour appuyer sur stats. Ah ouais, alors tout ce qui est objet, bon ça va, magie, compétences et cartes. Je pense que les cartes. Ça va à peu près, mais magie, compétences, ça va. Ne nous prendrez pas vivants. Là, on va juste. La liberté, on sauve une garde. Vire est presque épuisé sans vire, impossible de courir ou de porter des attaques puissantes. Buvez une potion, attendez qu'elle se régénère. On va les fouiller, on va récupérer hache d'armes. Est-ce que ça vaut le coup? Ah, j'ai tout pris. Prends tout, on verra. Je vais essayer d'où. Est-ce qu'on prend directement? Alors non, c'est pas ce que je voulais faire. Vers cette porte. Arme. Ok, tenue. On va essayer de bouclier. Ça peut lâcher. R. Ça peut lâcher. Ok, parfait. Et arme, d'accord, on a pas de... Ah oui, mais la hache d'arme, j'ai ça. Et ça, on va lâcher. Ok, parfait. Théoriquement, ok, on va bouger. Parfait. On va le suivre. Ensuite, on va essayer de s'enfuir de ce donjon. Là. J'ai beaucoup, j'ai vu là déjà quand j'avais fait le premier, la première quête entre guillemets. C'est ce fait de. C'était pas totalement utilisé non plus, genre y a pas, on peut pas vraiment se tromper, mais d'un côté. Bon sang. D'un côté, ce dragon n'abandonne jamais. Il va pas forcément toujours prendre les devants, le mec. Dessus, quoi. Il faut qu'on quitte Elgian et vite. Plutôt cool. Hey. Ah bah c'est pas le jeu, y'a ton pote devant. Mort. Hop, qu'est-ce qu'ils ont? Non, quoi? On va tous les fouiller, je pense qu'ils ont. Allez voir si vous trouvez des potions, ça pourrait vous servir. Voilà. Parfait. Là. C'est bon, c'est fait. Par ici. On va trouver que là-dedans. Ouais, alors, carotte. Bon, ça va servir à truc des francs. On prend. Ouais, je prends. On verra bien à quoi ça sert. Hein. Je connais pas du tout. J'avais pas fait ça. Bon, je l'ai fait. Alors, toi. Ouais, devant. Arrêtez, je prends. La salle de torture. Parlez. J'aimerais que vous m'en disiez. Espadon. Mais attends, j'ai quoi de. Pourquoi l'espadon me dit que ça fait plus 6 de dégâts? Poids 16, valeur 50. Et celle que j'ai là, elle fait poids 13, valeur 35. Donc si je me trompe pas, le poids c'est la... ça doit impacter la... la vitesse d'attaque, on est d'accord? Ouais, l'espadon, la l'espadon, salle l'espadon de c'est pas de mort ça. Par les dieux, j'aimerais que nous n'en ayons pas besoin. Un peu...
arriver par là. Échappe. Et on va lâcher ça. Et ça. Sont dont je divertis leurs camarades. Vous ne savez pas ce qui se passe? Un dragon est en train d'attaquer Elgen. Un dragon? Allons, ne racontez pas n'importe quoi. Mais maintenant que j'y pense, c'est vrai que j'ai entendu des bruits étranges par là-bas. Venez avec nous. Il faut sortir d'ici. Vous n'avez aucune autorité sur moi, mon garçon. Vous ne m'avez pas entendu? J'ai dit que le fort était attaqué. Ça va, aussi, oubliez le vieil homme. Je vous accompagne. Une seconde. On dirait qu'il y a quelque chose dans cette cage. Ne vous embêtez pas avec ça. On a perdu les clés il y a des siècles. Le pauvre bougre a braillé pendant des semaines. Essayez de l'ouvrir avec des crochets. Allez, alors le crochet. Ouais. Faut-il la souris en fait pour tourner le crochet. Et une fois qu'on l'a trouvé, on appuie sur Z. Ok, là ça tourne pas. On va casser le crochet. C'est pas grave. Hop, ok, là ça tourne. Voilà. On a besoin de tout ce qu'on peut trouver. Hop, on prend ça. Hop, ça on s'en fiche. Bien sûr, prenez tout ce que j'ai. Je vous en prie. Prenez ce que vous pouvez et allons-y. Ça on s'en fiche. Ça on s'en fiche. Il n'y a rien dedans. Il n'y a pas d'issue. On va le suivre, ils ne veulent pas nous suivre. Tant pis pour eux. Issue, non, c'est pas là. Pas d'issue, mais un peu quand même. Ah, je pense que c'est là où on a tendance à torturer les gens. Après, c'est de la supposition, mais. Ça ressemble quoi. Il y a quelques endroits. Sommes-nous censés aller? Où est la sortie? Ces impériaux y gardent des potions. Nous allons en avoir besoin. Chien d'impériaux! C'est un paradis! Il y a une hache, la hache. Prends la hache, parce que ça tape trop lentement, et puis ça demande que je peux être au pied. En même temps. Ah oui, des haches. Je le savais bien. Pas du tout avant, je vais vous mettre en feu. Venez donc. Vous allez toucher. Ouais, je suis meilleur. Vous allez chercher. Des haches. Très bien. Essayons de trouver un moyen de sortir. Ça va aussi. Bouclier en peau. Ah oui, alors ça, j'aurais récupéré ça. Flèche, parfait. Flèche aussi. Parfait. Et un marteau. Non, toujours pareil. J'ai pris un petit bouclier. Ce truc, dommage, j'avais vu. Alors, c'est mon objet en fait, si on veut changer d'arme, de passer par le menu. On peut pas, genre. On peut pas garder les deux qui me touchent. J'avais vu après, on va peut-être fouiller. Voyons où cela mène. Alors, petit levier. Parfait. Parfait. Ouais, donc grotte. Petite cascade. Ah, mon pied, comment on rentre? Bon, après, c'est probable que. Il y a quelques déchets dans l'eau. Je crois que ça va. Par tes égouts. Bah, tout, c'est moi qui je suis sûr que les autres. Donc, bah, moi je t'attends en fait. Je devrais continuer dessus. Toujours un problème de ce dialogue en jeu. C'est le kilomax, c'est que. Il n'y a pas grand chose à faire par là. C'était pas tout à fait ce que je voulais. Les araignées. Ah oui, parce que c'est bien qu'on puisse récupérer les flèches sur le corps de. Ça, c'est stylé. Ok, faut qu'on parte. On s'y assied. On sort le feu.
va sortir de là. Avec un arc, on peut. Je suppose que ça utilise autant de vigueur de faire ça, c'est qu'on doit pouvoir enlever la parade. Ouais, comme quand on porte un gros coup qui enlève la parade, je pense que ce film va faire à peu près pareil. Bon, du coup, je peux vigueur, je peux plus courir. C'est que si on rentre dans la vidéo. Je crois que c'est la sortie. Je commençais à douter sérieusement de nos chances. Okay. Apparemment, on sort dans un climat plutôt enneigé. Ok, parfait, parfait. On est sorti de la grotte, on est sorti de tout. Et on arrive là où j'en suis. Attendez! Enfin, là où j'en étais. Avec mon autre personnage. Putain, il y a le dragon qui s'est cassé. Et du coup, d'après ce qu'il dit, c'est qu'un dragon. On est quand même dans un monde magique. Je crois qu'il est parti pour de bon. Le dragon reste quand mais même. Mais inutile de s'attarder ici pour vérifier. On a vu que non, mais. La ville la plus proche est Rivebois. Ce n'est pas quelque mon chose. Mon oncle est le forgeron. Il vous aidera. Il vaudrait sans doute mieux nous séparer. Bonne chance! N'aurait pas réussi sans votre aide. Si c'est ça, on va y aller tout seul. Je veux plus de. Ok, Rivebois. On va suivre la route tranquillement. On va voir si c'est ce que je fais. On va suivre la route tranquillement. J'ai quelques petits frises. Écoutez, vous devriez vous rendre à Solitude et vous enrôler dans la Légion Impériale. Vous seriez vraiment plus utile. Et si les rebelles ont un dragon, seul le général Tullius peut les arrêter. Ok. Alors. Hop. Le dragon. En fait, ce qu'il dit à vérifier, on a apparemment le dragon serait avec les rebelles. Enfin, le dragon a passé les rebelles. Du coup, on va arriver. Voilà. Donc, Rivewood. Rivewood. Let's go. Tranquillement y aller. Même si les graphismes sont pas phénoménaux, c'est quand même pas moche. Et puis le. La grandeur des paysages fait que c'est plutôt stylé. C'est quand même plutôt stylé. On va avancer tranquillement. On va pas être très loin, je pense. Alors. Voilà, c'est quand même plutôt stylé. On a connu des zones. On a connu des jeux qui. Qui de la même époque qui étaient moins beaux. Après, là, c'est le Remastered. Je sais pas à quel point ça joue. Si vraiment ça joue quelque chose. Ce qui me laisse passer, donc là, ça. Ok. Tu joues à ça. Ok, c'est le village. Parfait. Hop, on peut récupérer quoi? Des pots pour apprendre. C'est une santé, ok. Poids A. 44 sur 300. Ok, madame. Lui comme ça dans le dos, bah, yes. Je pensais pas qu'il y en avait 3, je crois. Attends, je vais ça, j'en ai tué 3, okay. Je vais pas fouiller le dernier. On va faire ça tranquillement, ok. Bon, le village, où est-il? Trouve un cheval quand même. Ok, le village est là. On doit aller voir le forgeron. Les quêtes. Voilà, directement là-dessus. Adressez-vous à Alvor à Rivebois. Divers intégrés à la région impériale. Donc, je pense. J'ai échappé à mon exécution et une attaque de dragon Elgen. Désormais, je suis libre de faire ce que je veux en bord de ciel. Ok. Donc, je suppose qu'avant la tempête, c'est plus ou moins dans la quête principale. Et après, divers, bon, c'est d'autres quêtes. Donc on va aller voir à le. Rivebois, il peut découvrir. Parfait. Ok, donc c'est lui. C'est pas tous les jours qu'on a des visites à Rivebois. Alvor m'a dit que vous avez besoin de m'aider, que vous pouvez me dire sur Rivebois. Fuchiez votre forge, que pensez-vous d'ailleurs? Genre, on la famille de Gerdur est arrivée ici il y a plusieurs générations pour exploiter le bois. Od et elles font tourner la scierie. Moi, je gagne ma vie honnêtement en aiguisant des haches et en entretenant les lames. Ok. Que pensez-vous de la guerre? Les gens sont furieux et ils ont raison. Ces maudits Talmor ont le droit d'arrêter n'importe qui, sous le seul prétexte qu'ils vénèrent Talos.
Mais est-ce que cela valait la peine de diviser Bord de Ciel et peut-être de détruire l'Empire? Non! Ulfric devra répondre de ses actes quand tout ça sera fini. C'est quoi, les Nordiques ont toujours soutenu l'Empire. Et l'Empire a toujours été bon pour Bord de Ciel. Okay, on est dans une situation géopolitique assez compliquée apparemment. Avec tous les peuples, ça va pas être simple. Détalement, je sais pas qui c'est, parce que j'ai l'impression qu'ils avaient utilisé ce mot quand ils étaient arrivés dans le village au tout début. Pour désigner les elfes, mais alors je suis pas sûr. On va voir, je pense que les gens nous dira. Pourquoi est-ce que les Talmor ont le droit d'arrêter ceux qui vénèrent Talos? C'est à cause de ce traité qui a mis fin à la Grande Guerre. Rappelez-vous, quand les Talmor ont forcé l'Empereur à bannir le culte de Talos. Quand j'étais petit, personne n'y faisait vraiment attention. Et tout le monde avait encore son petit hôtel dédié à Talos. Mais quand Ulfric et ses fils de Bord de Ciel ont commencé à se soulever, l'Empereur a été forcé d'agir. Venir enlever les gens en plein milieu de la nuit. C'est l'une des nombreuses causes de cette guerre, si vous voulez mon avis. Okay. Bon, on sort d'une guerre, et du coup, les Talmor seraient plus les Nordiques. Bon, Advar. Comment le connaissez-vous? Hop. Ah ouais. Ça ne ressemble pas du tout à mon neveu. Je ne l'imagine pas en train de s'acoquiner avec des gens comme vous. Quoi? Un dragon? À Elgen? Ça explique ce que j'ai vu. Il volait dans la vallée depuis le sud. J'espérais que mes yeux m'avaient joué un tour. Ouais, ça, donc vraiment, ça rend pas courant. Apparemment. C'est un dragon. Un dragon. Ici, en Bord de Ciel? Mais où va ce monde? D'abord la guerre, maintenant des dragons. Et on dit jamais 203. Ah. Le Jarl doit savoir qu'un dragon rôde dans la région. Rivebois est sans défense. Nous devons demander au Jarl Balgruf de Blancherive d'envoyer autant de soldats que possible. Si vous pouviez vous en charger, je vous en serais reconnaissant. Comme je l'ai dit, je suis toujours heureux d'aider. Prenez tout ce dont vous avez besoin. Mais restez raisonnable. Ouais, on fait bien, ça. Alors, à quoi ça sert? On prend, hein, Là, directement, les voiles à la tire, courant de succès, augmente de 15%. On prend. Carotte, on prend. De toute façon, on a de la place, donc pire, on jettera après. Crochet, bah oui, ça peut servir. Hydroning, réserve un point de vigueur, la vigueur se régénère 25% plus hautement pendant 20 secondes. C'est du miel ou de l'alcool? Parce que sur le truc, il y a une ruche, mais. Je pense que c'est de l'alcool plus que chose. Ouais. Hop, hydromel nordique. Okay. C'est de l'alcool. C'est dit. Reste 15 points de vigueur, la vigueur se régénère 30% plus longtemps pendant 30 secondes. On va tout prendre, on verra après. Lingot de fer, on prend, ça peut servir peut-être. Reste un point de santé, on prend. Le pain, sort de point de santé, on prend. Tout ce qui prend de la santé, on récupère. Potion de soins léger, on prend. Tunique avec ceinture. Là du coup non. Alors pourquoi est-ce qu'il me dit pas qu'elle est moins bien que la mienne? Alors c'est pas bon. Ça je vais faire. Tenue. Oui c'est ça. Oui. Bien. Prenez ce que vous voulez. Du moment que vous restez raisonnable. Ok, on peut pas réouvrir, c'est pas grave, j'ai tout pris normalement. Tu pouvais me dire sur le Jarl. Le Jarl Balgruf? Sur le Jarl. Il règne sur la châtellerie de Blancherive. Un homme de valeur. Un peu trop méfiant, peut-être. Mais c'est l'époque qui veut ça. Ok. Il a réussi à ne pas prendre part à la guerre jusque-là. Mais j'ai peur que ça ne dure pas. Alors, bon. On a quand même l'impression qu'on est dans. Je sais pas comment ça se présente. Faut... Je sais pas si mais j'ai l'impression que c'est plus genre les Jarls, c'est style gouverneur, quoi. Qui devrait appartenir à l'Empire, peut-être. Je suppose, on verra. Le jeu nous le dira. Pour quelqu'un est-il dans cette... Je ne crois pas qu'il apprécie beaucoup Ulfric ou Elisif. Il peut lui en vouloir. Mais je suis persuadé qu'il se montrera loyal envers l'Empire au bout du compte. Ce n'est pas un traître. Qui est Elisif? Ah. J'oublie que vous arrivez tout juste en Bord de Ciel. Je devrais plutôt dire le Jarl Elisif. Bien que ce soit uniquement parce qu'il était marié au Jarl Torrig avant qu'il soit assassiné. Ulfric a tué Torrig, vous savez. Il a pénétré dans son palais à solitude et l'a tué. Si on en croit les rumeurs, il lui a crié dessus jusqu'à ce qu'il meure. Ah,
C'est ce qui a déclenché la guerre. C'est dommage. L'Empire ne pouvait pas fermer les yeux. Si les Jarls commençaient à s'entretuer, cela signerait le retour des temps obscurs. Ok. Il faut voir comment ça se présente. Je suis pas encore... Plus je suis votre forge, on va essayer. Si vous savez vous en servir, je n'ai pas d'objection. La meule permet d'améliorer vos armes. Utilisez l'établi pour améliorer votre armure. Excellent ça. Si vous avez les matières premières requises, vous pouvez utiliser la forge pour fabriquer un objet. J'ai un goût de fer, je peux pas faire grand chose. Mais voilà, quelle route de... Traversez la rivière et allez plein nord. Vous la verrez juste après les chutes. Une fois à Blanche Rive, continuez de monter. Arrivé au sommet de la colline, vous serez à Fort Dragon, le palais du Jarl. Ok. Ok, bon moi on va tout dire. Ouais. Hop, la forge. Ça va être tout ça, calme, t'as dit, forge. Venez, mon oncle est là. Alors. La forge sera créée de nouvelles armes et armures à partir de matériaux bruts. Ok. Oncle Alvor, je vous salue. Oh. Prends de cuir, 4 cuir. J'ai rien pour faire ça. Sigrid va vous préparer quelque chose à manger pendant que vous nous direz. Faire, ouais, beaucoup de choses. Ok. Un dragon ! J'ai vu un dragon ! Dans tous les cas, il faudra quoi toujours tout récupérer. Y a-t-il encore, mais... Il était aussi grand, aussi noir que la nuit. Là, il vient de survoler la terre. T'es... Des dragons, maintenant ? Pitié, mère. Si vous continuez ainsi, tout le monde en ville vous croira fort. Bon. Et j'ai mieux à faire qu'écouter vos derniers délires. C'est Vera, c'était un dragon. Peut-être que tu me croiras quand il nous tuera tous. Scottive. Deux ch'tites de dur insecte, deux lingots de fer. J'en ai un lingot de fer, ok. 15 de dur insecte. Ok. Ok. On verra. Déjà, on va essayer de s'améliorer. Non, le truc dans l'établi. On peut améliorer. Alors. Il faut les matières premières, je pense quand même. Utilisez l'établi pour améliorer vos armures. Toute amélioration nécessite des composants. La qualité de vos améliorations dépend de votre compétence de forgeage. Ok, donc fort à monter. Demande cuir. D'accord. Dommage. D'ailleurs, on peut avec la forge, est-ce qu'on peut pas améliorer aussi mais j'ai raté plein de trucs en fait. Ok, poids 9, 13. Ah oui, oui. Ok, je pense que. Flèche de. Ah, on peut faire des flèches. Parfait. Bon, petit bois pour faire des flèches. Ok, on verra. Vraiment pas j'ai pas l'impression de pouvoir améliorer mes trucs. Ah là, c'est pour la créer, je pense que je sais pas. Bon, on verra tout ça. De toute façon, on a pas les matériaux pour l'instant. Et on va aller voir. Ah,